Et les gens, bienvenue sur frappstejeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Call of Duty World War 2, donc sur PC, un jeu que j'ai via le Humble Bundle Monthly. C'est reparti camarades. Après la mission l'usine de la mort, mission suivante, colline 493. 25 décembre 1944, c'est Noël. Ce soir l'essentiel, c'est de regarder là-haut. J'ai toujours pas de nouvelles de Pearson. On ne sait pas exactement ce qu'il va faire, mais son dossier n'est pas brillant. Si t'étais là, Paul, tu le remettrais à sa place. J'espère que Zussman et Aiello tiendront jusqu'à ce qu'on puisse détruire ces canons ensemble. Eh bien, on va voir. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, il y a deux actes héroïques à accomplir. Demandons une vérification de communication. Vous me recevez? Chef, si je peux me permettre, on devrait peut-être rejoindre le point de rassemblement. Pas encore. Pearson va arriver. Chef, c'est vrai ce qu'on dit. Les hommes de Pearson sont morts par sa faute dans la passe de Catherine. Un jour, Daniels, quand tu monteras en grade, tu verras qu'il y a deux façons de commander. Une mauvaise et une très mauvaise. Mais tu te concentres sur tes hommes, car ce sont eux qui font le boulot. Dites ça à Pearson. Le sergent Pearson. Prie pour jamais être à sa place. Mon lieutenant, on vient de recevoir une transmission de Baker. Il donne l'assaut sur la colline 493. Pearson est avec eux. Quoi? Il a pris nos gars et la deuxième section. Prenez vos armes! On y va! Qui est Pearson du coup, je me souviens plus. Tout oublié. Non, rien de rien. Peut-être que Pearson est resté en bas de la colline. Mais c'est plus la question là. Contentez-vous d'avancer. On dirait nos gars. Daniel, tout va bien? Je vais bien. Et les autres? Partis à l'assaut avec Pearson. Pour la supplier d'attendre des renforts. Foutue tête de mule. On reviendra te chercher. Vite. Ou pas. Tu veux que je t'achève maintenant ou j'attends de revenir? Waouh! C'est quoi ces armes? Pas grave, tu t'en remettras. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'ils font? On voit bien qu'on se prendra à gauche. Il y a un moment, il faut tirer dessus si vous êtes au-dessus de moi. C'est pas normal. Bande de nuls. Sérieusement? Faites votre boulot. Je suis pas le seul militaire sur le terrain quand même. Pas le choix, faut y aller. Ah bah lui il est mort cette fois-ci. Ah bon, c'était un chemin. Non, c'est un chemin. Bonjour. J'ai un bouclier par balle, c'est bon. Merci Charbonneau. Parce que c'est PVT. Puis vert. DG? Comment ça DG? Ah, le DG du DG? Le DG? À couvert! Barrage d'artillerie!
comme ça. C'est ça que je voulais faire. Heureusement qu'il y a des arbres qui sont gros et qu'eux ils arrêtent les balles. Hein. Les jeux de Palawan, d'accord, bon c'est bon, j'ai bien compris. C'est dommage, Kiral, il aime beaucoup lui, je crois, les jeux de Kojima aussi. Dispersez-vous! Une jambe à droite, l'autre jambe à gauche! Vous pouvez aussi faire ça avec les bras si vous débrouillez bien. On s'arrête pas, mais si on s'arrête pas, on va se faire tuer. Ils sont fous ces Romains. Ça va y aller, on va pouvoir le faire. On est doué, j'y crois. Accroche-toi, l'ami. Faut jamais nous. C'est chiant ça. Bon tant pis, on l'a pas eu hein. Écoute, il avait qu'à faire son boulot correctement. Je trouve que c'est vachement chiant en fait. C'est pas où tu l'amènes. Ouais bah c'est bien gentil, garde-les. J'en aurai besoin plus tard sûrement. Tranquille. Planquez-vous ! Les grenades et les fumigènes pour toi, Daniel. Plus tard, plus tard. Daniel, vous êtes passé ! Content de te revoir, l'ami. Personne ! Qu'est-ce qui vous a pris ? J'accomplis ma mission. On a besoin de notre sapeur pour faire sauter cet avant-poste. C'est pas encore fini. Daniel, escorte Parker. Il doit poser une charge explosive sur ce bunker. Oui, sergent. Daniel, dis-moi quand t'es prêt. Baisse-toi et vas-y! On avance! Allez, sur cette mitrailleuse! Quelle mitrailleuse? Neutralisée. La mitrailleuse tire plus! La voie est libre! Allez, allez, allez! Neutralise cette mitrailleuse! C'est bon! Le porteur est à terre! Daniel, prends des explosifs et finis le boulot! D'accord, couvrez-moi! Je récupère la charge! Bien compris! On neutralise le bunker! Daniel, avance cette charge télescopique! J'y vais! J'ai besoin d'un tir de couverture! Qu'est-ce qu'ils font mes collègues là? À quoi ils servent? Avance jusqu'au bunker et fais-le sauter! Et ce poste de mitrailleuse. Explosif en place, à couvert. C'est bon? Le bunker est neutralisé. On y va. Daniel, j'ai des grenades et des fumigènes si tu veux. Tu sens que le mec se prend pour un artiste. Tu sens que le mec se prend pour un artiste. Mais alors, c'est un artiste quand même. Entrez dans le bunker. Non mais oh. Bande de mauvaises graines.
Toc, bonjour. Combien on a perdu d'hommes? On a accompli la mission. Combien? Les ordres étaient de prendre cette colline. Vous auriez dû attendre. On pouvait pas. Et nos hommes? On avait des ordres. Je les emmerde, nos foutus ordres. Vous croyez que c'est ce que je voulais? Hein? On n'est que des rouages, Joseph. Si on fait ce qu'on veut, la machine se grippe. Mais peut-être que vous l'aviez oublié. Ce sont nos hommes. Nos hommes. Vous l'oubliez, ça? Ces 150 bombardent toujours nos positions. On repart. Il faut en finir. Daniel, les pièces d'artillerie sont droit devant. Ouvre cette porte. J'ai mes munitions, merci. Porte ouverte, attention. Ouh. Je sais pas. Mais je sais jamais s'ils sont avec moi, contre moi, alors du coup j'hésite toujours un petit peu à hésiter et je meurs bêtement. Si ça peut être nul, voilà, vous le savez maintenant. Mais tu as crevé, oui? Telle est ta mission, non mais oh. Prends-toi tes balles. Merci. Je joue tellement mal. Qu'est-ce que vous me dites? Vous êtes plusieurs à me dire que le Death Stranding, faut pas le faire en live. C'est un jeu à vivre au pire ou à faire entre deux trucs, mais pas. Autant je peux essayer de tirer avec. Ça va péter. Yankee Schweiner. D'autres ennemis au bourgeois droit devant. Il y a encore d'autres canons droit devant. Continuez. Attention, ça va faire boum. Moteur fait boum, n'hésitez pas. C'est le gros bébé, comment vas-tu? Comme j'ai même pas du tout regardé ce qui se passait moi sur Death Stranding. Je cherche pas à regarder parce que je me dis si jamais je le fais un jour. Je préfère éviter de tout me gâcher en fait. Si j'apprenais à viser. J'ai des munitions pour toi, soldat. Oui, toi, c'est gentil. Tiens, vas-y, passe-les-moi, au cas où. Je sais, chef. Voilà, soldat. Merci beaucoup, le gros bébé. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans la ville. Installe-toi confortablement, espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints. Désolé. Voilà, c'est fini. Oula, j'ai fait un sacré trou là. C'était le monsieur qui était là, ça? Non. Ouvre cette porte. Comment ça? C'est un ordre ou un conseil? J'ai des grenades et des fumigènes si tu veux. Les derniers 150, on va y arriver. Les boches sont partout. Voilà, j'avais des cibles offertes et je les ai toutes ratées. Bravo, bravo monsieur, bravo monsieur E.T. Incroyable. Est-ce qu'on a des munitions?
Non, non, je fais que le mode histoire, le gros B. Le reste, ça m'intéresse pas. J'ai des fumigènes et des grenades. Je suis pas très multi de base, que ce soit ce jeu-là ou les autres, donc... C'est juste que j'ai énormément de retard. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à un Call of. Et comme celui-ci était offert dans, dans les Humble Bundle, enfin offert, était dans le Humble Bundle Monthly, ben je me suis dit que j'allais le faire. Et que je suis pas mécontent de m'y être mis en fait. Attends, ouh, toi je vois que t'as une... Tiens, vas-y, donne-moi ça. Voilà, par ici. Merci. Y'a vraiment pas l'autre munition? Non. Je tire sur des gens, mais je sais même pas s'ils sont contre moi, avec moi ou. Nettoyons la zone avant d'attaquer les 150. On reste calme. On reste calme. On va faire l'histoire, d'accord. Donc peut-être que je ferai les autres par la suite. Enfin, si je les vois pas trop chers, ce sont toujours trop chers les Call of Duty. J'aimerais bien me faire l'intégralité de la licence. Enfin, du moins pour ceux qui ont des campagnes solo. Après je suis nul, hein, je préviens. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oh, mais il est avec nous, lui, je t'ai fait tirer encore une fois sur un allié. Allié, pas allié. C'est quand même triste de les bousiller les canons. Une fois qu'on les a pris, on devrait pouvoir les Hop, il met sa main dedans et clac, tu fermes. On a encore de la thermite. Il faudra bien. Personne et moi, on va attirer ces tirs. Daniel, pose une charge de thermite à l'arrière. Je crois que j'ai fait une bêtise, je crois que j'ai fait une bêtise, je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai plus de vie. Pardon Pearson. Ah, tout ce qui se prend Pearson. On va y arriver. Je joue sur PC là pour l'instant. Mais j'arrive même pas. Ah non, celui-là il a un nom, celui-là il a un nom. Je suis en train de me faire démonter par derrière là. Il est où le char? Waouh. Mais elle revient vers moi en plus, sa saleté. J'y crois pas. Ça sent pas bon, il mérite que ça à personne. Bien joué les gars. Dommage, j'y étais presque. J'allais y arriver. J'ai voulu tenter le tout pour le tout, ça s'est mal passé. Hop, attendez, 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 attendez. Ça
Je voulais essayer de voir si je pouvais éventuellement... Parce qu'apparemment il y a un truc là-bas qu'il faudrait que j'abatte, mais quoi? Mais non, mais c'est... Tu te mets pas devant le mec qui est là-bas! Vers la Louve et au-delà! Mais non, c'est un hélico quand même. Ils sont partout. Ils sont partout! Je te tire dessus! Des fois, je me dis que je peux essayer de le suivre comme ça, mais en fait, ça marche pas. Je meurs toujours. Mais non, mais... Oh, comment je me fais démonter? C'est le retour. Mais trop tard, mais fallait faire quoi exactement? J'ai tout mis à côté. J'ai tout mis à côté, je vais crever, et je vais crever, et je vais crever. Et je vais crever. Je tente des trucs, c'est l'oiseau qui brûle. Merci beaucoup pour le partage, encore une fois. Mais j'aimerais bien me planquer, là. Pourquoi il se planque pas? Parce qu'il est sur un truc? Il est sur un promontoire ou... Je ne sais pas. Allez, va. Laisse-moi un petit peu grignoter quand même. Non mais c'est vraiment hyper court le temps qu'on a. Ah mais je suis prêt à deux. Mais il y en a partout. Oh, je suis mort. Tu partiras pas à la guerre avec moi. Mais si je devais être à la guerre, je jouerais pas comme ça, hein. Je jouerais. C'est quoi ce mot horrible? Iti, arrête. Là, je sais même pas sur quoi je dois tirer, c'est chiant. Vous êtes mauvais. On va essayer de la jouer, sérieux. Tant pis pour le mec qui est là-bas, ça crève à chaque fois, de toute façon. Je sais pas ce qu'il fallait faire, mais c'est dégueulasse. Je me fais tirer dessus. Mais attends, mais d'où est-ce qu'ils sortent, eux? Mais pourquoi? Attendez, il y avait tous mes gars, il y avait tous nos mecs de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils foutent? C'est pour ça que je me suis planqué là, à la base. Je voulais voir ce qui se passait par ici. Je comprends pas, en fait, à quoi ça sert. Est-ce qu'il faut que je trouve une solution pour viser? Est-ce que... Ah mais j'ai tué les deux.
J'ai réussi, mais j'ai tué les deux. Mais comment on fait pour être aussi mauvais? Mais arrête, mais... Ah, mon pas passer par là, j'ai oublié de faire le tour à droite. Je veux tenter de le sauver, ce monsieur. Il le faut, c'est nécessaire. Ah, mais ça va tellement vite. Chaque fois, je me dis, je vais y arriver, en fait. Mais je veux tenter. Tant pis, de toute façon, je meurs déjà en boucle. Donc on est plus à ça près. C'est tellement lent pour récupérer de la vie. Allez, j'y crois. J'y crois encore. On va essayer de récupérer de la vie d'abord. J'espère que je suis en train de me faire massacrer par derrière là. Je l'ai sauvé. Non, non, mais non, mais je venais de le sauver, le monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi en vie. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Tu vas bien ? Non mais non, mais non, mais non. Ah punaise, c'est tellement lent. J'ai de la peine, mais ça fait... Mais faut pas avoir de la peine, je suis mauvais, c'est pas grave. Faut y croire. Il termine pas ses actions, ce con. Désolé pour le gros mot. Le mec, il dit, attends, attends. Il m'a demandé de récupérer de la vie, ça prend 56 heures. Ah, vas-y. Les deux sont morts. Vas-y, suicidez-moi. Je suis prêt. Petit coup de couteau, petit coup de couteau. Le mec est mort. Ça va ? Qui c'est qui me tire dessus là ? Ouais. Qu'est-ce que je fais moi ? Non, 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 non. Mais non, mais non. Oh là là, 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 oh là, oh là, oh là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là. Non, non, j'y étais, ma. Ah, c'est tellement moche, salut KB. Oh, ça allait trop loin. Je suis en train de crever à nouveau. Punaise, mais j'en ai marre. Why are you saying veteran Jake?
Il est tellement lent. Tu vas bien? Qui a dit que je savais pas viser? Vous aviez raison. Non, mais arrête! Arrête, je suis en train de récupérer de la vie, ça met juste 50 ans, c'est tout. C'est pour me rassurer que vous me dites ça? Genre, tu peux y arriver, c'est ça? Mission suicide, ça se comprend. Je suis en train d'essayer de récupérer de la vie, mais je suis pas sûr d'y arriver. T'es blessé ? Qui c'est qui me tire dessus là ? Non mais non, mais non, sérieux! Allez quoi, laissez-moi un peu en vie s'il vous plaît! En même temps je suis en train de faire le gros barbare dans un mode difficulté élevé. Il met tellement longtemps à récupérer sa vie. Attends, j'ouvre ma mallette! J'ai pas récupéré ma vie. Oh, il est déjà mort. Il veut des miracles d'afficher un écran bleu. T'es blessé, moi, oui. Alors, s'il te plaît, survie. J'ai l'impression de les sauver pour rien, les mecs, quoi. Non, mais non, mais non, j'ai plus de munitions, j'ai plus rien. Ah, c'est chiant. Oh, c'est chiant. C'est chiant de faire démonter si vite. En même temps, j'avais qu'à pas choisir ce niveau de difficulté, hein, on va pas se mentir. J'en ai marre de ces animations super longues dans les jeux vidéo. Allez! On a combien là? On a 33 minutes que je fais ça pour rien. Pourquoi pas faire plutôt un cooldown? Ce genre de choses. Ce serait bien qu'il fasse un cooldown dans les jeux vidéo plutôt que de faire l'inverse. C'est-à-dire que ça lance l'animation, tu récupères ta vie directement et à la fin l'animation, tant que t'as pas fait la fin de l'animation, tu peux pas. C'est quoi ce miracle? C'était presque un miracle! C'était presque un miracle que j'ai réussi à passer, presque! Tout ça pour aller sauver un mec dont on se fout royalement! Mais ça tire plus! Pourquoi ça tire? Je suis sonné? Peut-être que j'étais sonné. Non mais sérieux? T'es blessé? Grenade envoyée! Non mais... Prends bien 50 ans pour recharger s'il te plaît. Non, 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 ma vie, pas un moment. Sergent, donnez-moi leur position. Je vais encore crever.
Non mais arrête, y'en a un. Ah putain. Grâce à nos prières, un jour peut-être, crois en toi. Allez, récupère ta vie. S'il te plaît. Mais sérieux ? On n'a pas le choix ! Concentrez-vous sur le tic ! Balance-la ! Mais sérieux ! C'est seulement maintenant que tu me la balances ? Ah putain. Y'en a marre. C'est tellement chiant, quoi. Allez, le gars, je lui ai demandé le soin, il a mis 50 ans à me la lancer. Non, allez, récupère ton soin, s'il te plaît. Mais tape. Fais les choses. Mais je suis en train de tuer les notes là. Mais ils sont où les... J'ai l'impression qu'ils sont là à l'infini les mecs quoi. Il y a des moments où je meurs, je sais même pas pourquoi. Mais à quoi ils servent mes collègues là-dedans? Ils tuent personne. Je vous demande à changer d'escouade. S'il vous plaît, changez-moi d'escouade. Je veux changer d'escouade. Oh là là là. Et sinon, tout ce que ça veut dire, fumigène. Merci. Tu vas bien ? Récupère ma trousse de soins. Non, ma trousse de soins, mais soigne-toi, espèce de... Non mais regarde-moi ça, ils ont deux mecs en face, ils se font démonter quoi les gars. Démonter, ils servent à rien dans ce mode là. Allez mais qu'est-ce que t'attends pour monter toi, espèce de quiche aussi. Je vais recrever parce que le tank est en train de m'esquiver. Ah j'en ai marre, sérieux. Le tank dit non, je tape l'esquive. C'est tellement désespérant ce genre de séquence où t'as juste l'impression que ton seul but c'est de te faire démonter, d'en prendre plein le cul. Pardon. Quoi, moi? Épicé? Non, du tout. Tu vas bien? T'as intérêt d'aller bien maintenant. Regardez-moi, ils se font tellement démonter tous là. Non, ma vie. Mais regardez-moi ça, ils laissent tout passer dans tous les sens. Ce sont des merdes. Tous. Sans exception, ils servent à rien. Ah, j'ai jamais vu des IA aussi dégueulasses. Mais où est-ce qu'elle est passée ma fumigène? Où est-ce qu'elle est passée ma fumigène? Ah mais je suis coincé dans l'autre mec en plus. Allez, moi j'y crois. Un jour ou l'autre on va finir par y arriver. On a sauvé le type, c'est bon. En voilà par ici. Mais à peine tu passes, à peine il y a 100 d'autres de plus quoi.
mais c'est chiant, c'est pas intéressant là cette séquence. Parce qu'il met tellement de temps, il faut qu'il ouvre sa mallette. Et on se fait démonter tellement plus vite qu'il ouvre sa mallette en fait. Je suis pas assez doué pour ça là. Allez! Moi pas! Je sais, j'ai déjà fait 100 fois la blague. Et c'est plus une blague à ce stade-là. C'est la vérité vraie. Oh, mais je me fais démonter en 2 secondes, quoi. Voilà, par ici! Ah, c'est d'une violence, cette séquence. On va y arriver. J'en suis sûr, on va y arriver. Moi, j'y crois très fort. Bah, c'est chiant, en fait. Je tourne en rond depuis 20 minutes. Je me dis que quel que soit l'endroit où je vais, mes camarades laissent passer les ennemis, donc... Ah mais il est mort. Même pas eu le temps de lancer ma grenade. Mais tu, même si tu restes planqué là, ils sont tellement partout. J'essaie même pas de la jouer bourrin en fait. Là si dans l'action par rapport au fait d'aller sauver le mec. Mais mon but, c'est même pas de la jouer bourrin après. Mais où est-ce qu'elle est passée, ma grenade? Ma grenade? J'ai jeté une grenade, on est d'accord. Elle a rebondi où? Je suis en commando, oui, le gros but. Ah bah oui, je mourrais pas comme ça, sinon... Oh là là, oh là là. Tu vas bien? En plein milieu du champ de bataille. Non mais même, tu... Regarde, tu te mets là. Ils sont là, partout sur les côtés. Regarde, on est avec nos collègues là. Tu vois, il y a 4 collègues avec nous et tu peux être sûr qu'il va y avoir un mec qui va débarquer qui va nous tuer. C'est incroyable. Ça va plus vite en passant par le côté. En fait, j'ai surtout l'impression que mes camarades ne servent absolument à rien. C'est ça, moi, tout le travail. Parce que si mes camarades étaient capables de faire des choses, eh ben, je m'en sortirais. Allez, on peut y arriver. J'y crois très fort. Il n'y a aucun endroit qui nous reste, qui nous laissera bloqués comme ça. J'espère que tu l'es. Là, ils se font démonter nos camarades, ils servent à rien. Et voilà, il y a 2 tonnes de gens qui arrivent pas derrière. Ils sont d'une utilité tellement impressionnante ces mecs-là. Merci Poifif. Attends, je l'ai eu. Est-ce que je l'ai eu et j'ai sauvé le gars? Est-ce que j'ai réussi à faire les deux? Merci beaucoup Poifif. Merci sub. Il est touché. Attends, j'ai réussi. J'ai réussi. Alléluia. Alléluia. Tout va bien.
suis là, Fistre. Il va se prendre une balle. J'en étais sûr. Ami. Fluchenschweine. Arschlöcher. Sie werden uns nie schlagen. Je peux en avoir une autre. Enfant ennemi, repliez-vous. Je vais y passer. Laisse-moi ici. Je suis là. Allez. On va tous crever. C'est vraiment pas gagné, mais il avait bien décidé. Ça c'est la faute à l'autre, à Turner. C'est à vous de souffrir maintenant, bande d'inutiles. Turner va mourir dans ses bras. Évacuer nos gars. Non, on peut encore y arriver. Vous devez vous replier. Non, c'est pas question qu'on vous laisse ici. Laissez-moi debout, je vais les retenir. Vous devez y aller. Maintenant. Ce fut un honneur. Tous les sacrifices ont un sens. Allez-y. On se replie. C'est moi. Allez. On le va. Allez. Il me semble qu'il y a les oublis de vente là, attendez. Attendez. Propagande. Salut Cray. Chef. Ceci doit vous revenir. Va-t'en. Tu vois, c'est un tout nouveau monde, Daniels. Mon monde. Et je peux vraiment te jurer que je suis pas prêt de me défiler ou de fuir la moindre de mes responsabilités. Je fais de toi mon aide de camp. Tu suivras aveuglément tous mes ordres. Et tu t'assureras que tous ces hommes feront de même. La moindre erreur sera un manquement à ton devoir. Comment j'ai envie de le pourrir? Maintenant, hors de ma vue. Turner est mort en nous couvrant pendant notre fuite. C'est dur de l'écrire et de vivre avec. Il s'est assuré qu'on pourrait fuir et que le convoi serait protégé, alors il n'est pas mort en vain. Enfin, c'est ce que je continue de me répéter. Reprendrez-vous un peu de sel avec votre sel, monsieur ? Voilà, il est temps de faire les livraisons. Mais on termine sur un... Oh là là... La titricide de l'arabe à ton tour. Je sais pas, j'ai pas encore fait le dernier. Comment ça, acte héroïque accompli, 1 sur 2? Ah non, c'est vrai qu'il y en avait un qui était derrière un caillou que j'ai pas pu sauver parce qu'il est mort avant que je le sauve. Enfin non, je l'avais dans mes bras comme ça, j'étais en train de le tirer et je disais « Faut qu'on aille où ?» parce qu'on voit rien et du coup il est mort. Voilà. On s'est donné du mal pour sauver le deuxième. Non ? Le salaire d'homme qui reste dans l'ambiance. Eh ben j'étais très mauvais, si vous voulez mon avis. Mais c'est pas grave, on va passer à la mission suivante. Faire la livraison, comment ça faire la livraison? On n'est pas en Death Stranding, non mais du coup les trucs en retard. Parce que le salaire d'homme, ça fait un moment que tu l'as acheté, c'était à 11h36. J'étais salé mais j'ai pas vu, donc du coup faut que je le mette maintenant.
T'as fini, tu continues? Non, je continue en fait, hein. C'est juste parce qu'on coupe la rediffusion. Donc justement, on va couper la rediffusion, l'enregistrement du pour YouTube. Donc j'espère que celui-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif, n'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappe-jeux.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous, et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion. À tout de suite, je reviens. Pum 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 p